Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5. Tutasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Mais nous allons aussi lire Matthieu. Na tutasoma tena Mathayo. D'abord 1 Corinthiens 5 verset 7 à 8. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 mpaka ya 8. Matthieu 7 verset Matthieu 12:7 mstari wa 50 et jusqu'au 54 baka 54. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendo katika Bwana, nous avons la Pâque, tunakuwa na Pasaka, une grande fête que les chrétiens sont appelés à fêter, si je me répète. Karamu kubwa ile ambayo wa Kristu wanakuwa wanasherekea. Mais cette Pâque-là, elle n'est pas une fête simple, elle est même la base de la foi chrétienne, elle est même le mystère même de l'existence de l'Église. Pasaka aina karamu kidogo inakuwa ni karamu kubwa ama shina ya imani ya Kikristo. Si l'Ancien Testament parle de la Pâque des enfants d'Israël, kama agano la kale inasemezewa Pasaka ya wana wa Israeli, qui a été obtenu lorsqu'on a mis le sang sur les linteaux, ile ambayo ilipewa wakati waliweka damu kule kukibambashi, nous avons une Pâque pas comme ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Sisi tunakuwa na Pasaka lakini ayo haikuwe kama ile ya watoto wa Israël. C'est que eux ont été libérés de l'esclavagisme. Manake wao walitoshwa katika utumwa. Ils ont été aussi libérés de Pharaon qui était en train de les molester, na, et même de l'ouvre d'avant. Na Pharao yule ambayo alikuwa anawatesa. Et après 400 ans, na kisha miaka 1400, ils sont sortis. Wao walitoka. Et quand ils sont sortis, na wakati walitoka, c'était dans les effets de la Pâque. Ilikuwa ni ndani ya matokeo ya Pasaka. C'est dans les effets de la Pâque qu'ils sont sortis. Ni ndani ya matokeo ya Pasaka kule ambayo walitoka. C'est en respectant les choses de la Pâque qu'ils sont sortis. Ni kwa kuheshimia Pasaka kule ambayo walitoka. Ils ont vu ils ont fait tuer les brebis. Waliua makondo. Ils ont respecté en mangeant ces brebis avec les herbes amères. Waliheshimia kula ile makondo na majani ya uchungu. Ils ont mis le sang sous les linteaux. Waliweka damu katika mwamba. Et on a tué les premiers nés de l'Égypte, les dieux de l'Égypte, je veux dire. Waliua uzalio wote wa kwanza wa Misri, manake wa Mungu wa Misri. La Pâque ne se fait pas en l'air. Pasaka aisherekewe ewani. Il y a eu la perte de vie. Kulikuwa kupoteza kwa maisha. L'agneau a été tué. Kondo aliuawa. Il y a eu les gens qui sont morts dans les camps de l'ennemi. Kulikuwa watu walikufa kukambia ya. Nous aussi bien aimés, na sisi wapenda, quand nous fêtons la Pâque,
Wakati tunasherekea Pasaka, nous devons savoir qui était mort pour nous racheter. Tunabidi kujua ni nani alikufa kwa ajili ya kutukomboa. C'est Jésus-Christ qui a payé son sang. Amen. Yesu Kristo alilipa damu yake. Il a payé de son sang. Alilipa damu yake. Il est monté à la croix. Alipanda kumsalaba. Lui qui n'est pas un pécheur, il a été trouvé appelé à être, il s'est fait pécher. Yeye ambayo akukua mwenye zambi lakini alijifanya kuwa zambi. Pour que nous nous soyons appelés justice de Dieu. Kwa ajili ya sisi tuite wateule wa Mungu. Jésus a payé. Yesu Kristo alilipa. Et ce n'était pas un n'importe quel prix. Haikukue bei lolote. Il a payé de son sang. Alilipa damu yake. La Bible parle. Biblia inasema que le sang de Jésus ya kama damu ya Yesu parle mieux que le sang d'Abel. Inasema inasemezea mzuri kushindia damu ya Abel. 1 Pierre chapitre 1 wa Petro wa kwanza sura ya kwanza verset 18 à 19 parle. Mstari ya 18 inasema et nous n'avons pas été rachetés ya kama sisi hatukukomboa avec des choses périssables na vitu ya kuharibika mais c'est avec un grand prix lakini ni na bei ya mingi le sang de Jésus damu ya Yesu. Le sang qui a coulé à la croix. Damu ambayo ilimwangika msalabani. C'est un prix qui est plus que le prix de l'or et de l'argent. Ni bei ambayo inakuwa juu ya zahabu na shaba. Dans l'Ancien Testament, pour libérer un esclave, ndani ya agano la kale kwa ajili ya kumkomboa mtumwa, il fallait payer de l'argent. Ilibidi kulipa fedha. En payant de l'argent, na kwa kulipa fedha, à ce moment-là vous récupérez la personne. Sasa kule mnamkomboa ule mtu. Mais Jésus lui a payé son sang. Lakini Yesu alilipa damu yake. Il a payé ça non pas à un homme, le diable. Akuyalipa kwa mutu ama kwa shetani peke yake. Il a payé ça à Dieu. Alialipa kwa Mungu. Jésus a payé à Dieu. Yesu alilipa bei kwa Mungu. Parce que le péché kwa sababu zambi ne nous épargne pas de la colère de Dieu. Akutuweka pembeni na kasirani ya Mungu. Quand les gens pêchent pour nous, wakati watu wanafanya zambi, ils attendent qu'il y a une colère de Dieu qui les attend. Inabidi kujua ya kama kuna kwa kasirani ya Mungu na watu. Parce que Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Kwa sababu Mungu achilie zambi bila kuyapiza. Quand les gens pêchent pour nous, wakati watu wanafanya zambi wapendo, ils s'en foutent de l'église. Wao hawasutuke kitu ku kanisa. Ils ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pende kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi. Les autres sont des athées. Wengine wanasema wao ni wapagani. Dieu n'existe même pas. Manake kusema kama Mungu haishi kama. C'est comme ça que ces gens cherchent la solution. Ni njona ambayo watu wanatafuta jibu. Avec leurs propres moyens. Na maakili yao binafsi. Ils veulent se cacher dans le fétiche. Wao wanapenda kujificha ndani ya madawa. Wao wanapenda kujificha ndani ya maneno. Se transforme dans les sirènes, dans les hippopotames. Mtu anajigeuza kwa kiboko. Il rejette la solution que Dieu a donnée au monde. Wao wanafukuza mbali ile jibu ambayo Mungu anaweza kwa dunia. Se crée des images. Wengine wanajiumbia masanamu. Ils adorent les hommes. Wanakuwa wanaabudu watu. Ils adorent des créatures. On est honoré le créateur. Ayo Mungu aliumba lakini hawamwabudu. Ils font des saints devenus des idoles. Wanafanya kama watakatifu wanakuwa masanamu. La Bible déclare. Dieu n'a donné sur la terre. Mungu alileta pa dunia aucun nom. Hakuna jina. Est-ce qu'on peut dire amen? Aucun nom n'a jamais été donné sur la terre. Hakuna jina ambayo ililetea pa dunia pour sauver les hommes, kwa ajili ya kuokoa watu, pour jouer le rôle d'intermédiaire, fanya kazi ya mpatanishi. Et non seulement a été trouvé sur le nom de Jésus Christ. Jina moja ile ambayo ilipatiwa ni jina ya Yesu. Les autres sont en train de citer le nom. Wao wengine wanakuwa wanataja. Mais ce nom-là, lakini ile jina ne guérit pas, haiponye. Ce nom-là ne donne pas la vie. Ailete uzima. Ce nom-là ne donne pas la paix. Ailete salama. Il y a de bons noms qui sont dans le monde. Il y a des noms des anges. Hata kumbingu kuna kwa majina ya mais on a trouvé que le nom de Jésus. Lakini walipata jina ya paka ya Yesu. Jésus est le seul intermédiaire. Yesu ni mmoja ambayo anakuwa kupatanisha. Entre les hommes et Dieu. Katikati ya watu na Mungu. Jésus est le chemin. Yesu ni njia. Il est la vie. Yeye ni uzima. Et il est la vérité. Yeye ni ukweli. Alors n'échappons pas à la solution que Dieu a mise. Kimbie ile jibu ambayo Mungu alileta. Donc Jésus anake a donné sa vie. Il est mort à la croix. Yesu alikufa.
le sang est en train de couler. Damu ilikuwa inatiririka. Le sang a coulé de partout. Damu ilitoka fazi yote. Quand on a mis la lance dans ses côtes, wakati walimweka mkuki, le sang commençait à sortir. Damu ilikuwa inatoka. Et la Bible dit, na Biblia inasema, nous avons eu la vie. Alléluia. Uzima. C'était la mort de Jésus que l'église a la vie. Kupitia kifo ya Yesu kule ambayo kanisa inapata uzima. C'est quand Jésus a payé son sang. Ni wakati Yesu que la colère de Dieu s'est arrêtée sur nous. Donc, on n'est plus appelé à aller rencontrer la colère de Dieu. Nous sommes sauvés du péché. Le péché a été ôté en nous. Il n'y a que le sang de Jésus qui ôte le péché. Les autres ouvraient le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Mais pour que ce sang coule, il fallait que Jésus vienne dans le monde comme l'agneau de Dieu. Le vrai agneau de Dieu. Qui dit amen. Et le sang était payé. Donc je veux dire, le prix que Dieu a exigé était totalement payé. Jésus, le prix que Dieu avait exigé a été totalement versé. C'est pourquoi l'église est composée de gens qui sont affranchis. L'église est composée de gens affranchis. Et c'est pour la liberté, nous dit l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes les affranchis de Dieu. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Si tu te sens culpabilisé, matin, si tu te sens vraiment culpabilisé, tu te condamnes en toi-même. Tu sens que tu n'as pas la paix. Tu sens que tu n'as pas la joie. Tu sens que tu veux te pendre. Aujourd'hui, le monde est devenu vraiment un monde qui n'a plus d'attirance. Leo dunia inakuwa kama dunia ina tena na kiangalisho. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas la paix. Amuna na salama. Tous les jours vous êtes en train de regarder si vous serez malade demain ou pas. Kila siku mnakuwa mnatazamia kama kesho mtagonjwa au hapana. Et les gens marchent partout avec les masques à la bouche. Watu wanatembea fazi yote na vitu ya kujikinga. Mais la Bible dit. La Biblia inasema. Attache-toi donc à Dieu. Ambatana basi na Mungu. Et tu auras la paix. Na wewe utapata salama. Tu jureras du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur. C'est le message qu'il faut donner en ce moment ici. Les effets de la Pâque nous montrent qu'il faut s'arracher à Jésus Christ. Et Jésus va nous communiquer la paix. Tu dis amen. Job dit, Job 22, verset 21. Yobu makumi mbili na mbili na musari wa kumi mbili na moja. Attache-toi à Dieu. Ambatana na Mungu. Il te donnera la paix. Atakupatia sama. Tu dis amen. Amen. Tu peux avoir beaucoup de choses à faire. Et la femme, et les enfants, et les animaux, la richesse, mais tu manques en ce moment ici la paix. Je peux t'attacher à Dieu. Tu dis amen. Amen. Ne t'attache pas à ton pouvoir. Tu vas avoir des problèmes. Ne t'attache pas toi à l'argent. Tu manqueras la paix. Tu dis amen. Ne t'attache pas à ta beauté, justement à ta intelligence. Pana kuchambatisha na urembo wako ama mbao akili yako. Pas le monde. Pana kupenda dunia wapenda. Ingawa vitu vinakuwa dunia. Par le monde passera. Kwa sababu dunia itapita. Même les choses vont être passées. Hata vitu ya dunia vitapita.
Aimons Dieu. Pendeni Mungu. Aimons celui qui a un royaume qui ne passera jamais. Pendeni yule ambayo anakuwa na ufalme ule ambao Este royaume la vie avec Jésus-Christ dans nos vies. Ile ufalme unakuwa unakuja na Yesu Kristo. Aujourd'hui on croit que tout le monde marche avec la mort. Leo tunaamini kama watu wote wanatembea. Aujourd'hui on n'a pas confiance dans les autres. Hakuna mtu anamtumainia mwingine. On sait plus même les saints baisers de l'église. Le pasteur on conseille les gens, ne faites plus de saints baisers à l'église. Ah Seigneur, même ce que la Bible dit à l'église, ne pratique plus. Parce que les gens croyaient s'accrocher à la vie, mais ils n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas en sa parole. Nous n'avons pas la parole de Dieu pour le servir, non. Nous avons la parole de Dieu pour le cœur. Tu dis amen. Attache à Dieu et tu auras la paix. Tu vivras le bonheur de Dieu. Nous devons fêter la Pâque sans le levain. Bila chacho, sans péché, bila zambi, sans le sentiment du monde, bila mania ya dunia, sans une peur que le monde veut communiquer, sans la peur que le monde est en train de financer, il est en train de contaminer. On contamine les gens de faux messages. Watu na mamijumbe mbaya. Tout le monde peut manquer la vie. Watu wote wanaweza kukosa uzima. Mais les chrétiens ont la vie. Lakini wa Kristo wao wanakuwa na uzima. Tout le monde peut perdre la vie. Watu wote wanaweza kupoteza. Sauf les chrétiens qui sont en Jésus-Christ. Achanisho paka wa Kristo ambao wana Nous sommes une exception de la loi au nom de Jésus-Christ. Tunakuwa achanisho. Je vous conseille de vous lever votre pasteur. Épargnez porter les masques. Avec votre foi et votre niveau de foi, prêchez comme ça. Mais moi je crois que si nous croyons en Jésus Christ, à la protection sainte de Jésus. Si les diables commencent à infecter l'air, Jésus a péché. Nous croyons aussi ce que la Bible dit. Et tous les démons et toutes les maladies qui sont en train de marcher là-bas. Nous le dominons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes nés pour dominer sur la terre. Même sur ceux qui viennent sur la terre. Lève-toi, chrétien. C'était la Pâque. Et s'il y a quelqu'un qui vient avec l'intention de te comprimer, il sera lui-même la tombe de lui-même au nom de Jésus-Christ. Tu dis amen. La Pâque nous donne la garantie. Pasaka inatupatia ukingo. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix dans le cœur. Ambatana basi na Mungu, utapata salama ndani ya moyo. Tu dis amen. La Bible dit, Biblia nasema, le prix a été payé. Bei ililipwa. Le prix a été payé. Mais il lit quoi? Quand vous lisez Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 26, on parle de Matthieu 26, 28, je crois. On parle de du sang, de la coupe. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous lisez Romains, chapitre 3, 24. Romains 3, 24. Roma 3, 24. 23 dit tous ont péché. 12:3 inasema wote walifanya dhambi. Privé de la gloire de Dieu. Wao wanakosa utukufu wa Mungu. Tu dis amen. Mais c'est le péché qui permet toi de t'atteindre. Ni dhambi na mruhusu shetani kukugusa. Arrête. Kati wale usalio wa kwanza wa wengine. Yeye alibakia, alibakia yeye usalio wa kwanza. La Pâque, n'est-ce pas? Pasaka. Nous arrivons de la mort de premier né des autres. Kifo ya wazaliwa wa kwanza wa wengine. Mais nous, lakini sisi, Dieu nous récupère comme les premiers nés du côté de son royaume. Mungu anatukomboa kama uzaliwa wa kwanza wa ufalme wake. Le royaume de Dieu. Kwa sababu l'assemblée de Dieu. Ile makusaniko ya Mungu. Elle est composée uniquement des enfants qui sont les premiers nés. Inatungwa paka na watoto ambao ni wale. Toi tu me suis ce matin, tu es aussi le premier né. Hata asubuhi ya leo nawe ni mzaliwa wa kwanza. Oh, c'est un premier né. Sasa ni kutokea kwa que nous accédons maintenant
à la dimension d'héritier. Parce que la loi montre que c'est le premier qui soit, qui doit être appelé héritier. Oh, si tu n'es pas né en Christ, tu ne seras jamais premier né. Tu ne seras pas l'assemblée de Dieu. Alors Dieu nous prend d'en bas. Nous étions des pécheurs voués à la mort, à la pauvreté. Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons des riches en Jésus-Christ. Et il nous-mêmes fils de Dieu aussi. En tant que fils de Dieu, nous avons, nous sommes qualifiés, nous sommes qualifiés à hériter la richesse, de celui qui nous a sauvés. Nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Et c'est pourquoi que premier né avec Jésus, Yesu, nous rendons avec lui sur le trône. Tu dis amen. Tu dis amen. Amen. Et nous sommes maintenant appelés héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Na wariti watoto wa Kristo. Tu dis amen. Amen. Et en tant que bien-aimé, na kama yule wapendwa, nous n'avons pas à envier le monde. Na tuna pale kwa ajili ya kutamani dunia. Nous avons maintenant vie Israël. Premier-né. Pendant 400 ans, on a lavé son cerveau. Il ne veut pas chanter. Il ne veut pas étudier. Il était exploité pour le compte des Égyptiens. Il construisait la vie des gens. Maintenant, c'était aucun projet. Il ne pense rien dans sa vie. Il veut mettre au monde les enfants. La loi est déjà mise. La loi dit que au monde un enfant mal, on le tue. On pèse même sur les bébés qui étaient fœtus. La liberté physique n'était pas là. La liberté spirituelle, il n'y en avait pas. Il y a des gens qui vivent comme ça, mon ami. Les années passent. Il y a des gens qui vivent comme ça à l'église. Il a l'âge. Il n'a aucun projet. Il ne pense rien faire de meilleur. Il dort, il se réveille le matin. C'est fini. Il commence à sortir sur la rue. Aucun projet. Aucune liberté d'action. Ce sont des gens que le monde sait. L'église n'est pas comme ça. L'église nous dit dans le proverbe que la femme vertueuse, elle pense à un son. Elle pense à un son. Elle pense à un projet. Elle pense à un travail. Elle pense à changer la situation. Et elle l'a crié. Elle pense et elle l'a crié. C'est ça l'église. C'est sa femme vertueuse. L'image de l'église, la femme de Christ, la bouche de Christ. Nous devons penser au projet bien-aimé. Ce n'est pas la maladie du monde que même tu peux empêcher. Les sorciers ne doivent pas étouffer nos pensées. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons penser aux choses meilleures. Nous devons au-delà. Elle a encore le sang. Tout le monde la connaît. La prophétie a commencé. L'incessant de la Pâque. L'incessant de la Pâque. Nous sommes pentecôtistes. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'un homme que tu y as là. C'est que demain il sera dans l'église. Nous sommes pentecôtistes. Il était toujours dans notre famille ici. Mais c'est lui qui était le cadet de tout. On ne pouvait jamais penser à lui. On pouvait penser au grand frère qui a fait l'université. Les gens qui parlent bien l'anglais là, qui sont en Angleterre, quand ils parlent avec votre langue propre, la langue avec laquelle ils ne peuvent plus parler ça.
Et quand il prend le micro, allô? Et c'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui confond les sages. Il prend les choses viles. Et il les confond ce qui était déjà en train de se faire valoir. Il prend les choses qui n'existaient pas. Il confond ce qui existait. L'église, c'est un milieu, il y a un mystère de Dieu de l'Église. C'est lui qui l'église. Alléluia. Amen. Les gens qui réfléchissent pendant que l'autre a une vision. Mais lui, il sait intégrer la vision dans la science de Dieu. En esprit. Il est rempli pour faire pratiquer ce qui est en esprit. Il invente pour la première fois ce qui n'a jamais existé. Ne te regarde pas que tu es pauvre, mon ami. Ne regarde pas ce que tu as à la maison. Apana kuangalia ile ambayo unakuwa nayo kunyumba. Fixe tes yeux dans ce que Jésus a à la croix. Tazama kuile Yesu Kristo anakuwa nayo kumsalaba. Ne regarde pas. Apana kuangalia hesabu ambayo inafanya. Jésus a payé un plus grand chiffre à la croix. Yesu alilipa hesabu mnene kumsalaba. Apana kujibeula. Apana kuangalia mauwezo yako. Si a été accompli la croix à ta place. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Yote limitimilika. C'est que ça signifie. Manake hivi. Tout j'ai versé. Yote nililipa. C'est fini, il n'y a plus rien à accomplir. Donc c'est déjà accompli pour que quelqu'un soit maintenant à la hauteur. C'est accompli pour que tu sois connu comme Dieu te connaît. C'est accompli. C'est payé, c'est versé. Tu es déjà appelé à vivre cette vie-là. Et si tu ne la vis pas, ça devient un péché. Tu dis amen. Je disais ce matin ici. Hébreux parle de testataire, n'est-ce pas? Testament. Inakuwa inasemezea kwa ajili ya andiko. Alléluia. Amen. Ça parle de testament. Inasemezea mkanda. On dit que le testament. On asema mkanda. A de la valeur lorsque celui qui l'a écrit meurt. Inakuwa na maana ile wakati mwandishi wayo alakufa. Lorsque la personne qui a écrit le testament. Wakati yule ambayo aliandika. Mort. Anakufa. Automatiquement le testament entre en vigueur. Sasa pale pale ile andiko inaingia katika tendo. Utajiri wetu. Ça doit nous donner à voir. Regardez quelqu'un. Nous le respectons. Mais nous lui faisons croire. Un jour je disais à un blanc comme ça. On me l'a donné pour que je le fasse marcher dans la ville. Walinipatia hii mimi nimtembeze ndani ya mji. Nous sommes arrivés à la poste là-bas. Tunafika naye pale pande ya poste. Comme sommes arrivés là-bas. Wakati tulifika naye pale. Tulipenda kitu comment to sio Kongo. Nampika swali sasa wewe ni namna yako ya kuinji ku Kongo iko namna gani? Il me répondit. Ananijibu ananiambia. En tout cas, je regrette. Il bouge la tête. Je regrette beaucoup. Ça s'amie. Il fait semblant comme s'il veut pleurer. J'ai les douleurs. C'est comme si tous les Congolais sont déjà morts. Ils sont déjà morts malgré qu'ils marchent. Il n'y a pas de vie ici. Alors que c'est un prédicateur, il est venu au Congo. Je lui ai regardé en face, je lui ai dit. Je te regrette beaucoup. Na kuzunikia sana. Toi là toi, tu es venu ici au Congo pour que tu viennes prêcher les morts et tu marches avec les morts, ou tu es logé par les morts. Toi là, prédicateur. Kwa ajili ya kuhubiri wafu na huko natembea na mufu. Wewe huyu.
Et je t'informe que c'est vous les Belges qui sommes qui n'êtes pas à notre niveau. Il me dit comment? Je dis, si ce n'était pas la richesse du Congo, votre pays ne serait pas ce qu'il est là. Vous vivez sous dépendance de votre richesse. Et vous voulez croire que vous vivez en mourant. Nous sommes un peuple plein d'espoir. Très bientôt ici, Dieu va renverser la tendance. Il est en train de rougir. Il me regarde plus dans les je me suis dit, il va tomber ici, j'ai dit. Attends, je te remets d'abord à l'église. Je l'ai tenu en main jusque là. Je l'ai mis, restez là-bas. Je suis sorti. Faut pas laisser les chiens. Vous n'êtes pas à la hauteur. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on doit être condamné? C'est que il y a quatre choses. La première chose, c'est parce que Jésus est déjà mort. Les choses qui faisaient que nous ne soyons pas à la hauteur, le péché, il a pris ça sur lui. Et il est mort pour ça. À cause de ça, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a même pas d'accusation pour nous. On ne peut pas accuser nos fautes, nos erreurs. Jésus est ressuscité. La deuxième des choses, il est ressuscité pour nous donner l'assurance du salut. La troisième des choses, il est monté plus haut. Plus haut, au-dessus de tout ce qui peut s'appeler auteur. Tout ce qui peut s'appeler auteur, pouvoir, autorité. Tout ce qui peut s'appeler nom du diable, ne sait pas. Il est assis à la droite de Dieu. Il est monté plus haut que les complots des gens, plus haut que les menaces des gens, plus haut que le mépris que les gens font de toi. Jésus est monté plus haut, plus haut. Mais j'étais fort. Pendant qu'il montait là, il montait avec nous. Je parle après la Pâque. Tu es appelé à vivre la dimension la plus haute de ton semaine. Tu es appelé à vivre dans une position plus élevée que la science ne peut pas atteindre. La sorcellerie ne peut pas atteindre. Nous sommes sur le trône avec Dieu. À la droite de Dieu le Père. Savez-vous pourquoi on est à la droite? C'est une place de règne. Une position de domination. C'est une position où on prend des décisions. C'est une position où nous gérons les choses. Donc moi et toi là, nous devons comprendre que pour y aller, il a fallu la Pâque. Et les effets de la Pâque, c'est de nous permettre, quand nous marchons, nous sommes avec vous là. En réalité, nous sommes dans le ciel. En réalité, nous dominons. C'est toi qui prends la décision de l'élever. C'est comme ça que tu as laissé à l'église la clé. Après la Pâque, avant que Jésus ne monte, il prend la clé, il le met à l'église. Ce que vous l'avez lié sur la terre, je vais lier sur le ciel. Si vous déliez au ciel, sur la terre, je vais aussi délier. Alors, les chrétiens, nous sommes là. Nous ne sommes n'importe qui. Il prend la décision sur l'église. Il prend la décision sur notre entreprise. Il vient dans la maison là, il dit, c'est moi qui ai là votre dernier parent qui est resté pour vous gérer. Si vous avez ceci, chrétien, lève-toi, déclare-lui, ni le sens de faire au nom de Jésus. Non, c'est moi qui t'ai marié. Je t'ai marié. Tu ne feras rien. C'est faux. Dans le mariage, dans le spirituel, je suis libre. C'est pourquoi l'un partira, l'autre peut rester. Tu dis amen. Amen. Tu dis amen. Amen. Nous sommes un dans le corps. Mais il ne faut pas laisser l'autre vous maudire. Tu dis amen. Amen.
Mais ne sais pas un païen venu, il se réveille là-bas, il se dit, maintenant là, nous allons commencer l'ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, et personne ne pourra l'arrêter. Ah bon? Oui. Savez-vous que l'ordre mondial doit être géré par l'Antichrist? Et l'Antichrist, la Bible nous donne, nous l'Église, l'autorité de savoir que il n'apparaîtra qu'en son temps, le temps que Dieu a prévu. Il ne peut pas perturber l'ordre de l'Église. Il ne peut pas perturber l'ordre de la prière. Dans cette nouvelle ordre mondial là-bas, ils vont chercher à gérer l'église, gérer les choses avec les puces qui sont dans les ports. On va mettre les puces dans les ports des gens. On vous surveille partout là où vous irez. Cette puce est liée même pas à ton argent contre la batterie. C'est lié à ton téléphone. C'est lié à ton adresse. Et c'est comme ça que l'Antichrist voudrait maintenant proposer les solutions pour amener la paix, résoudre l'économie, et même monnaie, même gouvernement. Ces choses-là ne doivent pas exister parce que l'Église est sur la terre. Ça ne peut pas exister. L'Église, nous devons nous lever et éclairer au monde. Nous disons que cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et si longtemps que l'Église est ici, tous vos projets vont échouer au nom de Jésus. L'Église dit amen. Tous les projets des sorciers, les projets des mystiques, les projets des gens qui sont les magiciens, et tous les gens qui les relayent dans les familles, tout complot qu'on va former contre toi, et l'arme qui sortira de cette réunion-là, la décision qui sortira de la réunion-là, je ne déclare ni le sens et fait au nom de Jésus de Nazareth. Nous savons que Jésus est mort, il est ressuscité. Nous sommes assis avec lui sur le trône. Récupérons le pouvoir de l'ennemi. Récupérer le pouvoir. Je dis, ce que tu vas parler, je vais le faire. Yesu anasema, ile utasema, tayafanya. Ce que tu vas refuser aussi, je refuse aussi. Ile utakatala, na mimi kumbingu na yaka. Commencez à refuser d'autres choses dans la vie. Anzeni kukatala, dans les familles. Il y a des choses, tu te fais comme tu regardes comme ça. Mtu anakuwa anasema vitu unamtazama hivi. Je la refuse au nom de Jésus. Hapana, hii maisha naikatala katika jina la Yesu. Mais si tout le monde t'entend, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Kama watu wote wanapima ni nani, kuna kwa nini? Montre-le que tu es un fils de Dieu. Waoneshe kama wewe ni mwana wa Mungu. Tu travailles? Unatumika? Tu as le salaire? Unakuwa na mshahara? Le MPDG qui est sataniste? Sasa mkubwa ule ni mkubwa. Il bloque le salaire de tout le monde? Anakuwa analinda mshahara wa wote. Que vous murmurez? Kwa ajili ya nini mnungunike? Prends la parole, commence à prier. Eba neno, tazama uanze kuomba. Priez son pouvoir, si il est là où est Zoake. Comme on appelle la confusion, on fout le pouvoir. Il n'a pas où est Zoake. Amen. La Pâque. Il s'est passé. Vivez les effets de la Pâque. Il s'est ni matoké à Passac. Qui dit amen? Amen. La ceinture a été remise dans la hanche de ceux qui sont sortis de la Pâque. Ceux qui sont sortis de l'esclavagisme. C'est ainsi qu'on a remis leur ceinture. C'est ainsi de vérité. Qui libère les gens. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité c'est Jésus Christ. On a remis sous la hanche. On a remis les chaussures. On a donné le bâton. On a dit à ce peuple-là, soyez prêts. Tu dis amen. Amen. Lorsque Pierre était en prison, tellement qu'on l'a étouffé, tellement que la souffrance a dépassé, il a même enlevé la ceinture. Il a même enlevé les viato. Il a même enlevé les manteaux. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance, bien-aimé, ne doit pas nous enlever les ailes que nous avons pour le Seigneur. Il faut lutter jusqu'à résister à toute action qui veut vous justifier.
N'acceptez pas la situation qui a déjà régné dans votre famille. Même si tout le monde dit que c'est comme ça chez nous. Après la Pâque, toi tu vas dire: je refuse cette situation de la famille au nom de Jésus. Même si vous comptez en famille, nous la maladie ici. Et moi, l'héréditaire. Depuis nos grands-parents, nous avons la même maladie. Toi, chrétien, ne reste pas la bouche fermée. Cassez cette maladie-là au nom de Jésus-Christ. Qui dit amen? Cassez cette maladie-là. C'est pourquoi nous sommes sortis de l'Égypte. C'est pour que nous puissions prendre notre autorité. Nous sommes une exception de la loi. Jésus est monté avec nous sur le trône. Nous devons décider là-bas. Décider de ce que nous allons vivre. Décider de nos enfants. De notre avenir. Nous ne dépendons pas de la loi de la sorcellerie. Nous ne dépendons pas de la maladie qui a été introduite dans le monde par le diable. Cette maladie ne doit pas nous conditionner. On peut penser ni comment manger, comment marcher. Non. Nous sommes assis avec Jésus sur le trône. Nous sommes appelés à gérer. Nous sommes appelés à dominer. Domine aussi chez toi, domine aussi au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un: quelqu'un va dominer chez toi. Monte en esprit, bien-aimé. Tu dois marcher sur les serpents, les scorpions. Les serpents, c'est l'image du diable. Tous ceux qui servent le diable sont en dessous de ces serpents-là. Je parle des satanistes, des rose-christiens, des maïcariens, des écancaristes, des francs-maçons, des sorciers, des mystiques. Ils sont dans les serpents. Mais nous sommes au-dessus du serpent. Reprenez le pouvoir. Mettez fin à votre situation. Commencez une autre situation. Je dis à quelqu'un: mets fin à une autre situation. Commence une autre situation. Un jour, une fille de la JPC me disait: son papa, qui était mystique, lui, ne reconnaissait plus sa fille aimée comme aimée. Il a pris celle qui vient après et il commence à la considérer comme l'aimé et la première. Quand elle veut parler, tais-toi. Elle veut donner la réponse. Toi, est-ce que tu peux parler, toi? Tu peux parler. C'est ta plus fille qui va parler. Et elle a grandi dans la peur comme ça. Un jour, cette fille a cru. On lui a parlé qu'en Jésus Christ. Nous sommes les premiers aimés. Nous sommes les aimés. Et l'autorité que Dieu nous a donnée, il est au-dessus de toute autorité. Si les hommes ne reconnaissent pas ce que tu es, puis Dieu va imposer ce que tu es chez vous. Nous passons des moments bien aimés où nous devons prier que Dieu nous fasse vivre là où les gens ne nous aiment pas. Tu dis amen. Et que les gens reconnaissent que nous sommes autorité. Notre liberté ne dépend pas d'eux. Mais nous sommes libres en Jésus Christ. Et nous ne pouvons pas attendre que nous nous libérons. Non. Avant de partir au ciel, nous le frappons d'abord très fort. Nous frappons les plaies. Jusqu'à ce qu'elles-mêmes disent que vous êtes vraiment supérieurs. Vous êtes tellement supérieur. S'il vous plaît, nous sommes conscients maintenant que votre Dieu est fort. Ils vont quitter leur palais. Ils viendront jusqu'à habiter chez vous, même dans la vie. Pour reconnaître que tu as un Dieu plus que leur Dieu qui est un orgueil pour rien. La Bible dit que parmi les Égyptiens, d'autres sont venus même habiter chez les Israélites. Ils ont fui leur maison. C'est parmi eux qu'il y a eu des gens que les Israélites ont même dit: allez me donner vos vases d'or, allez me donner ça. Allez me donner aussi les vases d'argent. On va chasser au travail. On va chasser au travail. Et puis, je ne sais pas renouveler la ration. On avait même commencé à manger les frettes. Moi je me mets les Thompson. Non, c'est peut-être les dunes, je crois. Pas de frais. Tellement bas.
La fille s'est tenue devant son père. Elle a dit à son papa. Papa, même si tu ne sais pas reconnaître, je suis le nom de la famille. Mais à partir d'aujourd'hui, tu reconnaîtras que je suis servante de Dieu. Aujourd'hui, là où je vais, je mets fin à la vie de cette nourriture minable à la maison. Demain, nous allons manger une nourriture qu'on n'a jamais mangée chez nous. Le papa lui regarde dans les yeux. Je pense qu'il lui disait, mais toi, c'est toi qui travailles ou quoi? Faut parler comme ça avec autorité. Tu sais que je suis une fille de Dieu. J'aime à la situation que j'aime. On va manger autre chose. Demain. Et vous saurez que je suis servante. Elle ne savait même pas où viendra cette nourriture-là. Mais là, c'est le mot déclaré par la foi. La foi ne demande pas que tu voies pour la mettre en pratique. C'est une ferme espérance de choses qu'on ne voit pas. Mais on les espère quand même. Qui dit amen? Amen. Et demain, les cartons de Thompson commencent à entrer. Thompson, il n'en a qu'une. Et là, ce jour-là, elle a commencé à chanter. Elle ne chantait pas. Même si vous ne voulez pas me parler, mais chante le Dieu qui a accompli ma parole. Reprenez l'autorité de l'ennemi. Ne continue pas à pleurnicher. Lève-toi comme une femme de Dieu. Parle. Jésus au sein de lui, il dit. Mes frères, quand j'étais dans le monde là, j'avais l'autorité. Parce que Jésus est notre grand frère, vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Mes frères, quand j'étais dans le monde là, simplement l'autorité et le pouvoir que j'ai eu. Je marchais sur le seau. Je multipliais le pain. Je parlais même aux arbres, m'entendez. Je parlais même à l'eau, m'entendez. C'est votre tour aussi, pouvoir. Tu dis amen. Amen. La tombe qui était enfermée. Avant d'abord que le client, la terre a tremblé. Nous parlons des effets de la Pâque. Est-ce qu'on peut dire amen? La terre a tremblé alors qu'il était encore à la croix. Tremblement de terre. Deuxième effet, les pierres ont commencé à sauter. Les pierres commencent à s'éclater. Les pierres, c'est l'image des esprits de blocage, des esprits qui sont résistants. La Pâque nous donne le pouvoir, même ceux qui étaient résistants, ça va sauter au nom de Jésus. Tu dis amen. Plus de situations difficiles, lorsque l'onction de la Pâque se manifeste. Et pendant que les pierres s'éclataient, la Bible dit. Les gens qui étaient dans la tombe commençaient à sortir. Qui dit amen? Amen. Sont sortis. Les gens qui étaient enterrés chez eux, on avait déjà effacé leur liste. Quand ils font des programmes, on ne compte jamais cet effectif-là. À l'hôpital, il y a les associations de gens qui ont. La mort, je ne sais pas moi, physique. Selon les médecins. À la mairie, il y a déjà l'attestation. L'attestation de quoi? Des décès. Mais ces jours-là, à cause de la Pâque, les gens sont rentrés dans la ville. On les a vus marcher. Ils sont allés chez les gens qui les connaissaient entre eux. Je pense qu'à Jérusalem, il y avait une débandade totale. Je pense que les gens qui ont ravi leur maison là, ils ont profité de leur décès. Ils ont dit achète-nous-moi que tu toques. C'était la fuite partout. Je pense que les gens qui avaient les deuils à la maison, les deuils avaient pris fin au nom de Jésus-Christ. Qui est celui qui a fait les déchets? Qui est celui qui t'a
programme pas qu'il ne veut pas que tu sois visible. Tu vas rentrer, on te verra dans ce domaine au nom de Jésus. J'ai dit que tu vas aller, on verra encore ta vie au nom de Jésus. Là où on ne voulait pas te voir, là où on t'a disqualifié, là le mariage que tu ne vivais pas, tu vas le récupérer au nom de Jésus-Christ. Tu dis amen. Les effets de la Pâque, ça nous retourne là où les gens ne nous voyaient pas, là où ils ne nous voyaient pas, ils ne nous aimaient pas. Dieu va t'imposer au nom de Jésus. À cause de du tribalisme, les gens ne sont pas engagés. Beaucoup ne sont même pas promis à cause du tribalisme. Parce que tu n'as pas l'argent au camp, je me suis obligé. Bonjour. On te met hors circuit. Comme si ce circuit là il est éternel. Il y a des circuits à détruire au nom de Jésus-Christ. Et le circuit est celui qui l'a établi. On voulait limoger, il sort. Pour la première fois, tu dois réussir sans corrompre l'université. Les effets de la Pâque. Nous sortons de la tombe. Nous marchons là où on ne nous voyait pas. Vous ne vouliez pas, vous allez nous voir. Que vous ne vouliez pas, que vous soyez aimé contre moi, vous me détestez. Les domaines où vous ne vouliez pas me voir, même dans le ministère, vous me verrez faire le ministère de Dieu. Je ne sais pas toi, où est-ce qu'on t'a empêché d'aller? Dis d'abord, je vais entrer. Dans ce domaine où vous refusez là, vous allez me voir, je vais y arriver. Parlez avec la foi, vous allez me voir, je vais y arriver. Mais même si vous ne m'aimez pas, moi je vais y arriver. Je vais y atteindre au nom de Jésus-Christ. Ils ont vu les gens qui étaient morts dans la vie. C'est écrit. Matthieu chapitre 27. Matthieu sura 12:7. Verset 50-51 là-bas. Allez lire 53. Hata makumi tano na tatu. Qu'est-ce que tu voulais faire voir? Nini Mungu alipenda kuona? Après la Pâque, il fait un miracle comme ça. Kisha Pasaka anafanya muujiza kama hiyo. Mimi ndio ni Seigneur. Upendo katika Bwana. Mais blague de la Pâque. Apana kufanya mchezo na upako. Ne blaguez pas avec l'onction de la Pâque. Apana kufanya mchezo na upako. La Bible dit dans Ephésiens. Biblia inasema nani wa Ephésiens? Ephésiens 3 verset 19 à 20. Ephésiens 3 mstari ya 19. Ephésiens 3 19 à 20. 19 12. La même puissance là. Il est ouzo mjamaa. Qui avait ressuscité Jésus de la mort. Il ambao alimfufula Yesu katika. Dieu a décidé de la mettre parmi les chrétiens dans nos vies. Alitika kuyaweka katikati ya wakristo ndani ya maisha. Il a déversé cette puissance totalement. Alipunguza ile uwezo kwa utele. Mimi plus totalement. Hakuna kupanda kushuka kwa utele. La même puissance de l'esprit. Il est ouzo mjamaa wa roho. Kanisa na l'église. Weka ndani ya kanisa. Comment l'église va paraître bien aimé? Kwa nini kanisa inaweza kuonekana? Comment les serviteurs seront bien aimés? Comment tu vivras si la même puissance là elle est en toi? Je te dis bien aimé, lève-toi. Les ennemis vont reculer désormais. Lève-toi, prends autorité sur tes ennemis. Refuse notre situation. Tu dis amen. Totalement à moi. La même puissance qui a sorti Jésus dans la tombe, il est ouais, moja moja litosha Yesu ndani ya kaburi, qui a annulé la pourriture du corps, il est lifukuza kuharibika kwa mwili. Le même esprit là, il est roho moja moja, il est à moi, iko ndani yangu. Mais le corps qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Il kuna magonjwa iponeshwe katika jina la Yesu. Le corps paralysé, il est mwili ya kuharibika, ça peut reprendre la vie au nom de Jésus. Chukua maisha katika jina la Yesu. Tu peux aller contaminer les enfants de Dieu na kuambukiza wengine. La même puissance. Mkono wa uwezo. Quand on dit même puissance, donc on peut aussi ajouter le fait. Na matokeo moja moja. Le même cause produit le même effet, n'est-ce pas? Ça c'est en physique, hein? Le même cause. Il est mambo moja moja. Peut aussi créer le même effet. On parle là de l'onction de l'esprit bien-aimé. Et nous fêtons la Pâque qui est notre Jésus Christ. Et que nous vivons dans un monde où on nous déteste. Il y a des gens qui ne veulent pas nous voir. Ils annulent les rêves.
un autre nom. Ils ont mis dans nos vies. Dans un monde où les uns sont acceptés, nous sommes. C'était. On engage les gens. On donne des promotions au travail. Mais nous, on ne peut pas accepter. Comment on peut maintenant y rentrer? Nous y rentrons avec l'onction de la résurrection. Nous rentrons là-bas où? Avec l'onction de la Pâque. Hier tu m'as refusé. Il y a des gens qui, il y a des garçons qui n'ont pas été enseignés à cause de manque d'intelligence et de le Saint-Esprit, parce qu'on a barré la route, parce qu'on n'a pas accepté qu'on l'accepte à la belle famille, et il se permet de faire un raccourci pour encourager les gens. Comme les gens nous ont refusé là, raccourci, il faut que je t'engrosse comme ça. Quand tu vas aller, je la grossesse. Quand on te dit c'est qui, tu me cites. Et puis, je viens te prendre. Satanique. Qui dit amen? Amen. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Mais la Bible dit, n'imitez pas le monde. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde. Apana kuambatana na mahali ya dunia. Qui dit amen? Amen. Priez seulement. Omba tu. Si Dieu approuve la voie d'un homme juste, Mungu anaitika barabara ya il va disponibiliser même favorable, même ses ennemis. Comment on saura que c'est Dieu qui y a dans cette échelle-là? Mettons Dieu devant, responsabilisez-le. Et ce que nous aurons puisse glorifier le Seigneur. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Amen. Nous allons y rentrer avec l'onction de la Pâque. Nous allons vivre les mêmes effets. Pour manger. Nous mangerons parce que Dieu a dit que nous mangerons. Nous serons engagés parce que la Bible dit l'homme vivra de la sueur de son front. Que le diplôme que tu as là, que Dieu le sanctifie par le sang de Jésus-Christ. Que tu sois engagé et utilisé à la hauteur de ton diplôme. Tu dis amen. Amen. Tu dis amen. Amen. Les effets de la Pâque. Jésus passait sur le mur. Le voile a déchiré. Tu dis amen. Amen. D'abord, il a été mis à la tombe. Et les gens ont dit, on l'a reçu. On a reçu maintenant à l'effacer. C'est fini. Maintenant, on l'a enterré. C'est fini. Maintenant, ils vont voir encore Pilate. S'il vous plaît, Pilate, aidez-nous. Avant de mourir, cet homme nous a créé beaucoup de peine. Il a dit qu'il était le fils de Dieu lui-même. Il a dit qu'il va détruire l'église. Il a dit qu'il est le Messie. Il nous a troublé cet homme avant la mort. Mais on l'a aussi entendu. Il a dit ceci. Après trois jours, il va ressusciter. Cette déclaration nous fait plus peur qu'avant. Je vous informe, la prédication sur la Pâque, mon ami, ça fait trembler le royaume des ténèbres. Les gens ont peur de que les gens comprennent ce que c'est que la Pâque de leur vie. Si tu comprends ça, mon ami, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Tu dis amen. Il ressuscite. Cette culture-là, là, ça commence par Matthieu 27, 62 à 65. Si vous le laissez se réveiller, d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui va se réveiller. Ce sont ses disciples qui viendront le voler. Alors, ce qu'il prétendait être là, Messie, vous allez voir que c'est faux. Ce qu'il croyait qu'il est devenu. C'est ça qu'on appelle imposture. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Alors, ils veulent que, en mettant la garde,
kwa kuweka walinzi, en la pierre, il faut finir par démontrer au monde. Mwisho ya kuonesha dunia. Il prétendait être Dieu. Messie. Ni Mungu, Messia. Voilà que c'est faux. Sasa oneni ni c'est ça la guerre entre ile vita katikati ya Wakristo na wapagani, entre les mystiques, katikati ya wachawi, entre les faux pasteurs, kati ya wapastori wa entre les faux apôtres et les faux églises, ya makanisa ya bongo, comme ils sont dans les faux. Sasa vile wao katikati, il faut donc que toi aussi tu échoues comme eux, enda nawe ushinde kama wao, Pentecôte parmi les faux églises comme eux sont contents, katika ya makanisa ya bongo kama vile, il faut que les gens sachent que napenda watu wajue ya kama tu prie par le vrai Dieu, ombe Mungu wa kweli, ce n'était pas ton mariage, aina ndoa yako, ce n'était pas ton appel, ikukua mwito wako, alors il travaille, anatumika, ils ont peur de réussir, anakuwa na woga ya kuweza, que tu réussisses, kama wao uweze, ils veulent que tu commences, tu n'aboutisses pas, anapenda wao uanze lakini usimalize, ils veulent effacer les témoignages que tu as déjà reçu, kuzimisha ile ushuda ile ambayo Mungu alisha kuwa, mais ils vont effacer seulement ce que les hommes ont fait, watazimisha ile ambayo watu walifanya, jamais ce que tu as fait dans ta vie, hawezi kuzimisha ile Mungu alifanya maisha, ils vont effacer ce qu'on a écrit avec les bics tellement. Ils ne passeront pas ce qu'on a écrit avec les sangs de l'agneau. Il veut démontrer. Mais Jésus a guéri quelqu'un dans sa maison. Jésus a parlé. Aujourd'hui, tu peux être celui qui est allé prêcher. Tu as fait de bonnes choses. Mais qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu es sorti dans la maison? Jusqu'à ce que. Quand il a dit, je donne ma vie, mon esprit dans tes mains. Natoa maisha yangu ndani ya mkono wako. Il a aussi enfoncé même la lance dans les côtes. Pour vérifier. Kwa ajili ya kuchunguza. Si le monde est vivant. Kama anakufa ama ni mzimu. Seigneur, donne-moi le cœur. Bwana nipatie moyo. Nipatie moyo. Donne-moi un cœur. Nipatie moyo. Lorsque le sang, wakati damu ilitoka, kwa sababu walipenda kuchunguza kama anesha kufa. Mais le sang a coulé. Lakini damu ilitoka. Non, c'est spécial ça. Hii ni le sang coule. Donc il est vivant. Yeye ni mzima. Il est vivant. Yeye ni mzima. Mais Jésus était déjà mort. Yesu alikuwa anesha kufa. Mais c'était la vie qu'il a donné à l'église. Kwani mzima alitoa kwa kanisa. C'est la vie qu'il t'a donné toi et moi. Ni mzima ambayo alikupatia wewe na mimi. Alors qu'il a dit, il est wakati alisema, certainement, kwa ukweli, certainement, kwa ukweli, cet homme, huyu mtu, il est le fils de Dieu, c'est le mwana wa Mungu. Le temps arrive bien aimé, wakati nafika mpaka, les effets de la Pâque, bien aimé, kama ya Pasaka, ça va te poursuivre, bien aimé, itakufuata mpaka, même quand toi tu ne seras même pas encore en train de penser à ces choses, kama wewe utakuwa ukukumbuka tena ile, tu vas te servir, utajisaidia, les effets de la Pâque, matokeo ya Pasaka, les gens croient que tu es tu vas kama wewe ulikuwa ni mtumishi wa Mungu, même si ne viens pas te noyer, hata kama hukua kuleta ushuda, mais ils diront cela, lakini watayasema. Ils diront cela. Watayasema. Watamini hata kama wewe. Ils vont croire même si toi. Tu les as prêchés, ils ont refusé. Mungu atatumia ma miracle. Dieu va utiliser des miracles. Atatumia ta mambo moyo au maisha yako. Il va utiliser même un problème dans ta vie. Wale walikataa kuamini Mungu wako. Ceux là qui ont refusé de croire. Watamwaminia tu kwa kile Mungu atakufanyishia. Toi raconte ce que Dieu a fait. Watamwaminia kwa kile Mungu atakupatia kwa kunyuma. Raconte ce que Dieu va te donner. Les effets de la Pâque. Tokeo ya Pasaka. Evangelize leo unapata. Waweze kuhubiri hata fanya tu kuseme mzuri. Les effets de la Pâque. Tokeo ya Pasaka. Dieu peut les utiliser. Mungu anaweza pour convertir même les inconvertis, pour briser même les incrédules de la famille, lorsqu'ils vont vouloir te tuer, et que tu vivras là où tout le monde meurt, ils diront allons prier à disciples là là-bas, allons prier les dieux de cette église, parce que tout le monde a connu les mêmes effets. Mais comment ont-ils vécu? Comment les sang sort dans le corps de quelqu'un qui est mort? Gani damu inaweza kutoka mumwili ya yule anachakufa? Certainement, c'est le fils de Dieu. Kwa kweli ni mwana wa Mungu.
y a des gens qui viennent à l'église comme des hypocrites. Vous croyez qu'il est venu prier, mais il est venu avec sa mission. Vous croyez qu'il a crié, mais il a crié dans sa manière. Ce n'est pas grave. Que Dieu fasse encore quelque chose d'autre pour qu'il croie maintenant réellement. Les autres ont suivi Jésus avec pour les pains pour manger. Les autres ont suivi Jésus pour chercher à manger les poissons. Mais ce n'est pas problème. Mais un jour, en suivant là, ils ont cru. J'aimerais que les gens qui te poursuivent là, juste en te poursuivant là, que Dieu les frappe quelque part et qu'ils puissent accepter Jésus. Prie que ta vie soit un exemple. Prie que après la Pâque, tu ne vis pas comme tout le monde. Tu ne dois pas accepter ce qui se passe sur tout le monde. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Il est assis au trône. Il intercède pour nous. Nous devons vivre les effets de la Pâque. C'est fini, bien-aimé. La même puissance est en nous. La même puissance est dans l'Église. Nous pouvons même prier pour le pays. Et le pays peut redevenir un pays béni dans le monde. Je peux vivre dans la famille sans se ressembler aux gens de la famille. Je peux vivre là où il y a pas mangé. Ça fait plus que la santé de ceux qui mangent. Les effets de la Pâque, bien-aimé. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Nous devons vivre les effets de la Pâque. Nous devons vivre les effets de la Pâque. Nous devons vivre les effets de la Pâque. Nous sommes nés. Nous allons quoi?